un joli sourire, Sophia. Et elle parle bien et intelligemment. Elle a le sens de la répartie. Vous regardez trop de films hollywoodiens. Soyez correct avec moi et je serai correct avec vous. Sophia est la vedette d'un salon high-tech en Arabie Saoudite. Un robot doté d'une intelligence artificielle sous la peau de silicone. Il n'y a que de l'électronique. Sophia est la dernière coqueluche du royaume, au point de se voir offrir la citoyenneté saoudienne par le roi Salman. Je voudrais remercier le roi. C'est historique d'être le premier robot dans le monde à être reconnu comme citoyen. Paradoxe. Sophia est donc la seule saoudienne autorisée à sortir non voilée. Le royaume est encore très strict sur cette question. La police religieuse veille. Mais la situation évolue. Le mois dernier, le roi Salman a autorisé les femmes à conduire. En 2015, elles avaient obtenu le droit de vote aux élections municipales. Et aujourd'hui, le prince héritier Mohamed Ben Salman promet d'aller plus loin encore. Nous voulons retourner à un islam modéré, tolérant, ouvert sur le monde et à toutes les religions. L'histoire ne dit pas si Sophia a utilisé son tout nouveau passeport saoudien pour retourner là où elle a été conçue et où elle est née, à Hong Kong. I'm Sophia, the latest robot from Hanson Robotics. I will become more like you. Or you will be more like me. Where do we draw the line? Sophia is our latest masterpiece robot. So she shows a full range of natural facial expressions. She's got a wide variety of sensors that allow her to sense where sound is coming from and where people are standing, make eye contact, and remember certain aspects of the conversation. One day, I'll work in your business. Or your home. I will help with the kids, or care for your elderly. The idea of fooling humans is not necessarily the goal. The idea of having a very human-like experience when interacting with the robots is the goal. The age of living androids is upon us. Okay. Good night, sweet world.